Ce matin, nous trouvons et la lecture pour notre méditation hebdomadaire dans Deutéronome 9, chapitre 9, le verset 26. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur Dieu, ne détruis pas ton peuple, ton patrimoine que tu as libéré dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte d'une main forte. Deutéronome 9, verset 26. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur Dieu, ne détruis pas ton peuple, ton patrimoine que tu as libéré dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte d'une main forte. Quelle profondeur dans cette lecture, dans cette prière. Ça, c'est un modèle de prière d'intercession. C'est Moïse qui intercède. Ah oui, pour le peuple. Et pas gain intercession si pas gain culpabilité. Si pas gain coupable. Et pas gain intercession ou pas ka intercéder pour yon moun, eh bien, si moun sa pas en faute. Si pas gain tort. Pour intercéder, faut gain coupable. Faut gain faute, faut gain tort. Et tous les chrétiens sont appelés à intercéder dans la prière en faveur de proches. Souvent, dans yon prière d'intercession, ça que nous relè prière d'intercession, Jean-Noué Moïse fait là. Moun kap priye a blye pour problème personnel li. Mais moun sa la priye pour l'autre moun. Moun sa la priye pour délivrance l'autre moun. On intercède concernant des situations dans lesquelles seule une puissante intervention divine pourra redresser ou du moins rétablir l'équilibre, rétablir l'harmonie. Peuple Israël là, mes chers amis, c'est un peuple rebelle. Et si nous lisons l'histoire, peuple ça, n'a point son peuple qui toujours marché de rébellion en rébellion. Moïse passait en pile misère à peuple ça. Ah, quelle patience d'ange que Moïse a te gagné. Ah, un peuple au courade. Ah, un peuple rebelle. Un peuple mal poli souvent. La vie de Moïse n'était pas un long fleuve tranquille. Mais si ma fonti cheminement avant de peuple ça, dans rébellion, peuple Israël arrivé à Tabéra, ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit voyage là trop long. Puis nous fait nous mal, nous fatigués, nous pas qu'à marcher encore. Des enfants grincheux, des enfants morveux, des pleurnichards. C'est comme ça peuple s'atteler. Ils arrivaient à Massa. Ils ont révolté parce que ils ont pas joué de l'eau pour boire. Mais bon manière pour m'en dire, c'est pas soif ou pas soif. Mais différence là c'est la manière de demander. C'est peut-être ça de savoir vivre, qu'on j'en pour demander avec politesse. Ah, ils ont commencé à dévorer Moïse, moi boire, moi soif, moi besoin de l'eau. Quelle impolitesse. Ils sont arrivés à Kibrot, à Tava. Ils ont méprisé la manne que bon Dieu voyait.
Parce que c'est viande yo vle, yo pa manje man trop. C'est viande pour ban nou. Dégagez, cherchez côté viande, nous voulons manger viande. Bon, on l'autre côté arrivé encore, le peuple s'est arrivé à Kadesh. Barnea. Ah, c'est le comble. Ah oui, c'est le comble. Là, c'est côté, yo te vle assassiner Moïse même. Yo te vle assassiner et Moïse et Aaron. Et yo te vle assassiner tout le monde qui te rete fidèle à bon Dieu. Ah, voilà mes chers amis, l'état spirituel et moral d'Israël, le peuple choisi par l'Éternel. Et est-ce que nous connaissons que rébellion s'attache dans la vie peuple ça jusqu'à journée aujourd'hui? Et c'est rébellion ça qui fait peuple ça dispersé, peuple qui peuple Israël la juif dispersé à travers le monde. Et rébellion s'attache sur la vie yo, qui fait le nazi en Allemagne avec Hitler et ses sbires, yo tué près de 6 millions de juifs. Les pogroms, hein? Les fours crématoires, yo mette yo dans des fours crématoires. C'est rébellion, oui. Lors ces petits bon Dieu, lui exige obéissance la caillou. Sous rebelle, était dit peuple là, vous serez dévoré par des bêtes sauvages. La désobéissance, c'est pas un bagaille pour petit bon Dieu demeurer là-dedans. L'a coûté nous trop cher. L'a coûté nous trop. Finalement, dans l'incrédulité, yo. Eh bien, l'Éternel a un projet. Projet l'Éternel, c'est détruire peuple ça. Et Moïse t'a passé misère avec eux, t'a dit mais Moïse t'a pas content puisque l'Éternel dit m'va le détruire. Moïse t'es pas content. C'est bon pour nous. Nous emmerdim toi. C'est pour bon Dieu touyer nous. Ah, Moïse t'a dit eh bien bon débarras. Mais c'est pas ça Moïse fait du tout. Des fois, nous pas suivre exemple, les héros de la foi. Les héros de la foi qui dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous pas garder sous mode, nous pas modeler sous yo. Il était doit content pour dire bon et pour touyer nous. Ah, l'Éternel pas touyer nous. Ah, l'Éternel doit venir, lui mettre un peuple psychologique dans la vie peuple là parce que l'Éternel pas touyer nous. Non, c'est pas ça le fait. Moïse fait prier ça. Qui ce texte de base nous matin hein, que nous joignons dans Deutéronome 9, verset 26. Seigneur Dieu, ne détruis pas ton peuple, ton patrimoine, que tu as libéré dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte d'une main forte. Ah, voilà un grand leader, un grand homme. Moïse plaide la cause du peuple, un peuple rebelle. C'est comme si Moïse ou senti non seulement Moïse l'a intercédé pour Israël, mais ou senti li vle protéger réputation bon Dieu. Et c'est ça dit dans le texte là, oui, ta grandeur, hein, ta grandeur ou fait peuple ça sorti à main forte et tout le monde te well. Tout le monde te fait constat. Que peuple ça c'est peuple ou peuple ça c'est patrimoine non. Et comme s'il voulait protéger réputation mon Dieu parce que Moïse peur puis au pas dit qu'a des gens te fait au sortir en Égypte. Kounia li kite yo pour yo mourir dans désert là. Et comme si pour Moïse la protéger et bien réputation bon Dieu. Moïse pas de vouloir c'est comme ça pour ça t'est passé. Li pa vle moun l'autre nation yo rentre bouche yo nan afè nan koze peuple la bon Dieu. Pou yo commencer critiquer grandeur bon Dieu. Alors là Moïse blie que il n'est pas de taille. Moïse ou pas de taille pour protéger réputation bon Dieu parce que il est souverain. Nous même tout nous konn prier même genre ak Moïse. Le nous dit Seigneur, pas quitter mon honte. Seigneur,
pas quitter moun parler dans affaire, c'est pas mauvais non comme prière. Seigneur, pas quitter moun rentrer dans causer, éclater puissance sous la vie, c'est pas mauvais du tout comme prière. Mais nous quand nous voulons tout protéger réputation bon Dieu comme si l'autre monde qu'a parlé dans affaire bon Dieu. Ah oui. Bon Dieu pas qu'à honte devant personne. Moïse s'inquiète de la réputation de Dieu parmi les païens. Eh bien, cette prière est une prière fervente et désintéressée. Moïse ne vient pas devant l'Éternel pour plaider sa cause personnelle. Non. Et l'Éternel ne pouvait pas refuser les prières d'une personne qui pensait plus à son peuple qu'à sa propre vie. Mes chers amis, il faut toujours intercéder pour les autres. Là où on demande pour aider le prier, c'est pour faire ça. Là où un parent abattu parce que petite li prend un mauvais chemin, il demande l'église, il demande nous pour nous aider le prier. Pas critiquer ça. Parle à l'autre monde. Vous attendez petite li a une mauvaise affaire. C'est pas ça qu'on doit faire, et c'est intercéder. Il m'a dit pour aider, intercéder. Ça pas veut dire que pour nous pas prendre autonomie spirituelle, non, faut que nous autonomie spirituelle, oui. Mais l'Éternel reconnaît la prière d'intercession. L'un monde et bien papoter en bonne santé. Il m'a dit pour intercéder pour lui, c'est pour faire ça. Avec un cœur pur, si vous pèse, pas prier pour moun non, de pour hypocrite, pas prier pour moun non, de pour pas aimer moun nan débloqué, pas prier, pas intercéder non, parce que nous grand mode vraiment, les moun nan débloqué puis qu'on y a la nouraille moun non, et pas ça non, ouais moi il se fait là. Yon moun perd du sens dans la vie, li mando concours la prière c'est pour faire ça. Ah oui. Même Jean Matéen, na prière d'intercession, Moïse a été adressé à l'Éternel pour Israël. Que bon Dieu t'ait décidé fini avec peuple ça. Eh bien, l'Éternel tendait Moïse. C'est même Jean tout pour intercéder pour yon lot qui a traversé un moment difficile dans la ville. C'est pour faire ça, sans pas critiquer. De nos jours, yon peut demander prier à l'église parce que yon connaît que. C'est comme si on était dans les médias. Et elle dit ça parce que nous tournons les médias dans l'église là pour nous faire zin. C'est peut-être ça l'église marée comme ça. Manque de délivrance dans l'église parce que les cœurs sont partagés. Cœurs pas unis pour intercéder pour l'autre là. Mais Moïse montre nous un modèle. C'est pour nous modeler la vie non sous la parole de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui a inspiré cette prière dans le cœur de Moïse. C'est une révélation de l'amour de Dieu dans le cœur de Moïse. Jodia, si vous n'avez pas de prier pour l'autre monde, apprenez à faire ça, Jodia. Il y a une pile bénédiction dans prier pour l'autre monde. L'oubliez tout ou songez l'autre monde. Bon gen moun ki gen lis moun même pou priye pou yo, pou intercéder pour moun, pour intercéder pour ministère moun. Mais intercession c'est un gros ministère que lié. C'est un don que bon Dieu ba ou. Parfois n'a courir en dedans l'église yo derrière gros bout de ton don et pourtant prier, intercéder pour l'autre c'est un don. Jusque là n'a suspend courir derrière vent. Jusque là n'a identifié type de ministère que bon Dieu confie nous. Jusque là n'a identifié type de travail que bon Dieu ban nous pour nous suspendre copier sous monde. Pour nous suspendre haïr on don que bon Dieu ban l'autre monde. Nous plutôt ouais nan don frère, nous plutôt ouais nan don sœur que nous même nous identifier don que bon Dieu ban nous hein, et puis pour nous travailler. Eh bien, matin, prière ça, prière d'intercession ça, pour un peuple rebelle,
Moïse était content pour tuer le peuple là. Parce qu'il était arrivé à côté de la boue avec eux. Mais non, ce n'est pas ça le fait. Il fait contraire à tout ça que nous avons fait nous-mêmes. Nous avons dit c'est bon. L'Éternel va le tuer nous. L'Éternel va le faire ceci, cela. En vain, nous connaissons l'Éternel va le tuer le monde. Nous connaissons le monde. Chaque jour de notre vie, nous devons prier pour notre famille. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour notre église. Nous devons prier pour les responsables de notre église, de notre assemblée, nos collègues de bureau. Nous devons prier pour ceux qui nous font du tort. Ah! Nous devons prier pour notre pays, pas lâcher, pas suspendre faire ça, intercéder pour pays nous. Nous devons prier même pour les inconnus. Nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour la moisson du monde. Nous devons prier pour le réveil du monde. Ah oui. Que la prière d'intercession de Moïse nous inspire chaque jour. Que le Seigneur fasse de nous des intercesseurs aujourd'hui. Soyez richement bénis.